عيد مبارك. السلام عليكم. J'espère que vous allez bien. عيد مبارك. كل عام وانتم بخير. Alors, الله يتقبل منا ومنكم. La voiture est prête. On va aller prier. Depuis ce matin, depuis le Fajr, on est bercé par donc les paroles que vous entendez, et c'est exceptionnel, franchement. Je vous propose de nous accompagner durant cette journée de l'Aïd, et j'espère que ça va vous plaire. Et encore une fois, bonne fête à tous, et c'est parti. Voilà, on vient de finir de prier et là on est invité en fait par le propriétaire de l'hôtel dans lequel on réside, et la mosquée elle est là. La mosquée elle est là et la maison elle est là, donc c'est juste génial. Et on va voir un peu comment ça se passe chez eux. On a été invité aussi par d'autres personnes, ils sont super accueillants, ils sont super gentils, c'est juste incroyable, franchement c'est incroyable. Time to eat. Is it spicy? Sure, this one. Rendang. Rendang. Rendang daging. Is it meat? What? sorry, I don't understand. Okay. Same? Same. This one ayam. Chicken? Ayam chicken, yes. Yeah. Chicken. This one? Chicken. Chicken. Yeah. Vegetable. Yes. Vegetable. Yes, vegetable. And rice. Yes, lontong. Lontong. On continue les visites. Donc là, on va chez la dame Lia. Is it Lia? Oui. Oui, je sais. Oui, j'ai entendu. Je sais. Oh. Yes. Salam. Hi, adieu. Adieu.
Qu'est-ce qu'il y a, Rania? On continue les visites. Donc là, on va chez l'imam de la mosquée. Donc il nous a invités. Et on y va tout doucement en marchant. En groupe. Franchement, ils sont trop accueillants. C'est génial. Franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Voilà, au fait, à chaque fois, il y a un petit buffet. Il y a tous des petits trucs à grignoter. Ça va, les filles, vous régalez? Papa, tu peux ouvrir? C'est le bon. Qu'est-ce que tu as, du riz? Du poulet. Ok. Très bien. Oh. Salam alaikum. Ouh, salam. J'espère que ça va. Il pleut. Averse. Waouh. Donc là, on va aller faire du thé, manger des petits gâteaux. Et j'ai ici tous les petits cadeaux des enfants. Et c'est une surprise. Je pense que le cadeau, c'était le week-end, mais non. Oh là, on avait prévu d'aller sur une petite île visiter une mosquée. Et s'il pleut comme ça, on va aller nulle part voir si ici. Faites quoi, les petits cupcakes? No, it's for children. What do you say? What do you say? Salamat Hari Raya. Salamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wow. You know? Minal faizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sorry for the zahir and batin. Ah. You know? It's like you ask. Il est comme ça, ça va mal. Il a dit en indonésien. Ouais, 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 c'est super. Hé, kembang. Kembang. On s'en va. Donc voilà, on a pris le bateau pour venir voir donc cette mosquée que vous voyez à l'arrière. Sauf qu'entre temps, dans le bateau, il y a encore une famille qui nous a invités. Et on est 11, hein. On est 5 adultes et... non, 6 adultes et 5 enfants. Et depuis ce matin, on est invités. On va manger. Donc ça, c'est du riz qui est cuit dans des feuilles de... De coco, les feuilles de coco. Mmm, this is saté. Yeah, this is like, yeah. Thank you very much. Hein? Ça va? Coucou! Donc voilà, on s'en va à la mosquée. Là. Franchement, on a tous mal au ventre tellement on a mangé. Mais oh là là, franchement, je pense que c'est l'une de mes meilleures journées que j'ai passé. Les gens sont superbes, superbes accueillants, super accueillants et tout, et c'est top. Les petites filles, vous voulez pas jouer avec les petites filles?
Hello. Coucou, donc voilà, on vient de rentrer, il est 5h30. On va changer les enfants. Ils veulent aller à la piscine, on va leur faire plaisir. Donc on va faire un petit thé pour nous et on va les mettre à la piscine, elles vont un petit peu s'amuser. Et ensuite on sortira plus tard dans la soirée pour aller dîner. Et voilà, notre jour de l'Aïd. Donc j'ai eu mes parents. Mes oreilles, elles vont faire un autre truc. J'ai eu ma famille et voilà, ça fait plaisir de les entendre, mais en même temps, c'est un. Voilà, c'est vrai que Aïd sans famille, c'est pas pareil. Mais alhamdulillah. Allez les filles, vous voulez à la piscine ou pas? Mariam, t'es sûre que tu vas aller à la piscine? Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le lundi, donc lundi c'est férié. Et c'est notre dernier jour à Bintam. Donc là on est avec l'une des dames qu'on a rencontrées à la mosquée. Et elle nous fait un peu visiter des coins, on va dire, de l'île. Donc là on est dans un genre de supermarché, mais c'est génial parce qu'on est dans des petites ruelles, vraiment des endroits, on va dire, hors des sentiers battus, des endroits dans lesquels on n'irait pas forcément si on était seul. Donc c'est vraiment sympa, donc on se promène un peu, il n'y a vraiment rien au programme, c'est juste de la balade, de la découverte et voilà. On va tester le moyen de transport local. Alors on a raté le confort. Venu manger au même endroit. Oh, c'est bon, c'est super bon, mais c'est trop bruyant, il y a trop de bruit. Ça c'est du riz, ça je sais même pas ce que c'est, on dirait que c'est du pinard. Du poulet et une sauce piquante. Et le jus de mangue, il est délicieux. Il y a trop de bruit.